Est-ce que tu veux être fidèle à toi-même? Parce que je me méfie de l'autre. Parce que l'autre est un salaud qui me permet de me dédouaner de ma responsabilité. Derrière, tu ne veux pas voir que c'est toi qui crée le salaud. C'est toi qui crée le terrain de jeu sur lequel le salaud te poursuit pour te donner un croche-patte. Pendant que toi, t'es à la place de la victime que t'as choisie. Et pourquoi t'as choisi d'être à la place de la victime plutôt qu'à la place de celui du salaud? Pourquoi est-ce que tu refuses d'aller au bout des choses, en fait, derrière? C'est ça que ça résonne. Je refuse d'aller au bout des choses parce que ça signifierait la fin du jeu que j'ai créé avec tellement de patience, de talent, dans lequel j'ai mis tellement de temps que je ne suis pas prête, que je ne suis pas prêt à transformer. Donc ça vient me toucher dans ta capacité à changer. Ta capacité à changer de jeu, à changer de forme, à changer quand ça t'arrange vraiment. Sans, c'est quoi le truc? Sans t'attacher à ce qui t'a nourri avant. Voilà, c'est ça. Tu te laisses être dépendante de fantômes du passé plutôt que de recréer une nouvelle dépendance avec de la nourriture qui te nourrirait vraiment. Et l'image qui vient, c'est que tu as un frigo avec 7 plats différents, du plus frais au moins frais, et toi tu prends le plat le plus pourri parce que c'est celui-là que tu préférais cuisiner il y a 10 ans. Et comme c'est celui-là que tu as vraiment bien cuisiné il y a 10 ans, tu veux te le farcir. Alors que c'est plus nécessaire. Est-ce que j'ai tout dit? Pour le groupe et pour toi aussi, pour le groupe, tu t'imposes des devoirs que tu n'as pas. Tu t'imposes des devoirs que tu n'as pas. Que tu n'as jamais eu, que tu n'auras jamais. Sauf si tu le décides. Et ma question, qui n'est pas une question à répondre mentalement, mais à voir comment ça vibre, c'est pourquoi est-ce que tu t'imposes ça? Pourquoi il y a un côté « je m'impose des trucs inutiles pour faire semblant que ma vie ait un sens » À quel moment tu te sens obligé d'être en vie à travers ce biais-là? Et pourquoi en même temps, d'accord, derrière ça vibre, je suis un propre loup pour moi-même. Je suis un loup pour moi-même et je fais seulement que les autres le sont pour moi. Donc j'en reviens à l'auto-sabotage. Il y a autre chose ? Ok, l'information derrière, c'est renaître à soi, c'est accepter de couper court à des situations, de couper court à des attitudes, de prendre la responsabilité. Ah mais oui, c'est ça, responsabilité. T'as la quête du bouc. Il y a un côté, je dois trouver le bouc émissaire. Ça justifie mes actions. L'extérieur justifie mes actions. Donc, à partir de là, si ta quête est... Si t'es en quête du bouc émissaire, t'as pas d'énergie pour te construire toi-même. T'as pas d'énergie pourquoi? En fait, tu penses ne pas avoir d'énergie pour être une personne de confiance pour les autres. Pour avoir du talent. Parce que qui dit talent, dit avoir les outils de résilience dans ma vie. On va loin, hein ? Juste à partir d'une simple question, pourquoi je ne suis pas en couple. Donc, fais-tu confiance réellement ? Merci pour ta question, Julie.